saga, Newsmond 4, fait des révélations sur les problèmes dans la villa. Sur son compte Snapchat, Paga vient de donner des nouvelles du tournage de Newsmond 4. Les problèmes seraient déjà présents le tournage des Marseillais versus le reste du monde 4, Newsmond 4, a débuté déjà depuis quelques semaines. Le casting final n'a pas encore été révélé mais nous savons déjà que Paga est bel et bien présent. En effet, l'ex d'Adixia vient de donner des nouvelles du tournage sur son compte Snapchat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette édition de Newsmond 4 ne semble pas déroger à la règle. Beaucoup de rebondissements se seraient déjà passés à en croire les déclarations du DJ. En effet, sur son compte Snapchat, le jeune homme fait savoir qu'il y aurait déjà eu de nombreuses histoires, mais petite beauté. Et tout se passe bien. Ça vient à peine de commencer et déjà, il y a des histoires de partout. Vous le savez, je suis en tournage au Portugal. Des pleurs, des cris, de la joie, de la peine, de la tristesse. Il y a vraiment de tout. C'est un grand moment, il fait très beau, et on se régale. Newsmond 4, un succès chaque année. La question que se posent la plupart des fans et les médias est la suivante. Est-ce que Newsmond 4 va avoir autant de succès que les précédentes éditions? Car oui. L'émission de W9 est devenue un programme phare, suivi par des millions de téléspectateurs. Et ce succès n'est pas anodin. D'ailleurs, Paga avait déjà indiqué à toute la télé pourquoi l'émission fonctionnait aussi bien. Le candidat de Newsmond 4 expliquait, le succès vient déjà du fait que l'on est Marseillais. À l'image des ch'tis, un Marseillais est atypique. Si W9 était allé chercher les Bordelais, les Bretons ou les Parisiens, ça n'aurait pas été pareil. Pour moi, les plus différents de toute la France sont les Marseillais et les Corses. Il indiquait aussi, le nom Marseillais parle de tout de suite aux gens avec l'eau mais le public nous a suivis tout au long de ces années. Les téléspectateurs ont pu voir mon évolution de la rencontre avec Adixia à notre mariage et le divorce aujourd'hui.